Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de cette aventure. Ce matin, on se réveille sur un ferry en direction des îles Canaries. On a environ 32 heures de traversée. Je me suis fait un petit café le temps que Coco se réveille tranquillement. J'ai un petit peu montage derrière et puis on va très vite se retrouver aux îles Canaries. Holy, holy. Là, on arrive aux îles Canaries. Donc 20 degrés pour notre arrivée, très très agréable, et puis on a directement cherché une auberge de jeunesse, et dès le lendemain on a commencé à mettre des pancartes pour pouvoir trouver notre voilier. Bon, du coup, petit début de journée là. Il est à peine 10h, fait beau, on va aller au niveau de la marina. Parce qu'on va devoir aller mettre des affiches un petit peu, enfin on va demander l'autorisation si on peut mettre des affiches pour trouver justement des voiliers, des skippers. Pour vous expliquer, on va utiliser trois manières en fait pour réussir à trouver un voilier pour l'Amérique du Sud. Première manière, c'est on va mettre des affiches au niveau des genres de petits pontons. Ensuite, deuxième moyen, on va aller sur internet, sur des sites genre bourse aux équipiers, tout ça. Poser des questions et tout, savoir s'ils veulent bien nous prendre. Et puis la dernière solution, ça va être de demander directement au skipper. Du coup, on va tout utiliser. Aujourd'hui, là, on va se focaliser sur les affiches. On va déjà toutes les mettre aujourd'hui. Du coup, comme a dit Coco, là, on va voir à la marina directement. Déjà, s'ils acceptent qu'on mette les affiches. S'ils veulent pas, on va quand même les mettre. Mais il faut leur demander. On arrive à la marina, à l'autorité portuaire. Donc là, j'arrive avec le chef de la marina. Et je lui demande un petit peu si je peux mettre nos affiches sur les pontons. Et là, direct, il me dit que non, c'est pas possible. Je comprends vite qu'en fait, on n'est pas les seuls à faire du voilier stop. Et il nous donne un seul spot où on peut aller mettre nos affiches. Un seul spot qui est pas terrible. Et donc là, il nous reste qu'une seule solution en fait, c'est de mettre nos affiches de manière un peu illégale. Mais bon, en soi, ils s'en fichent un peu, ils sont un peu habitués, donc on se lance sur ça. Ça s'est passé de manière très mitigée. Que pour nous, ce début de voyage était un peu difficile parce qu'on a dû quitter nos copines. Et donc là, juste après notre arrivée aux îles Canaries, c'était génial pour nous parce que nos copines ont pu venir nous rejoindre. Donc pendant une semaine, Emmanuel, ma copine, et Nel, la copine de Corentin, ont pu venir. Et donc c'était génial. On a pu se louer une petite voiture pour la semaine parce qu'on n'allait quand même pas faire du stop à 4, c'est pas possible d'en faire à 4. Donc on s'est pris une voiture, on s'est baladé un petit peu à droite, à gauche, on a fait 2-3 spots touristiques. Can you hear me, Father John? Have you lost what you believe? What's the matter, what's the meaning? Nothing's as it seems. Sit down at the table now. There's reason, there's reprieve. Never would know. Even those who are yet to come are sharers in your grief. Cause in a little while, when all will be over, you're gonna say goodbye. Go and get your closure.
years, when you're just a haze on the water, and then when it clears. Ensuite, on est directement reparti sur nos recherches pour notre voilier. C'était vraiment la priorité, on s'est fait une petite pause d'une semaine, mais là on s'est remis un petit coup de collier pour pouvoir trouver notre voilier. Et en fait, on n'a pas eu à chercher hyper longtemps, on a eu beaucoup de chance au niveau de ça. On a très vite trouvé plusieurs opportunités. Donc j'ai envoyé des messages sur des groupes Facebook, genre les Français aux Canaries, les voileux français, des trucs comme ça. Et j'ai eu une réponse d'un Damien. Un Damien qui m'a envoyé un message sur Messenger, super sympa, qui me propose d'aller boire un verre, de me donner des infos, tout ça. Qui lui aussi est un bateau stopper et donc lui avait déjà trouvé son voilier et donc voilà, il me donnait des infos sans concurrence, donc vraiment super cool. On arrive, on se rejoint dans un petit bar en face du port et là il me donne des infos sur d'autres groupes Facebook à contacter, sur des trucs sur internet, des méthodes et tout. Il me propose de me donner sa carte pour pouvoir rentrer sur les pontons parce que les pontons en fait sont un peu barricadés et le seul moyen d'y rentrer c'est avec une carte électronique. Et donc lui, vu qu'il était dans un voilier, m'a proposé de nous passer sa carte. Et il me dit aussi, tiens, il y a aussi une chaîne YouTube que je connais, World Tour Adventures. Ils sont dans le coin, je crois, je suis pas sûr, mais bon, peut-être au cas où tu peux leur envoyer un message. Voilà, il me pose ça comme ça. Donc là, on se quitte. Et le lendemain, on commence à faire un petit peu tout ce qu'il nous a dit de faire. On contacte un petit peu sur Facebook les groupes qu'il nous avait dit de contacter. On va le voir, machin. Et j'envoie un message à cette chaîne YouTube, mais bon, c'était vraiment pas sûr quoi. Il y avait une chance sur je sais pas combien, on savait même pas s'ils étaient sur le port, donc voilà. Je leur explique un peu notre projet, je leur demande s'ils veulent qu'on se rejoigne un de ces quatre. Donc j'envoie le message vraiment sans rien attendre du tout. Et je reçois rapidement une réponse. Ils me disent si vous voulez, rendez-vous 16h, ponton. L43, donc avec Corentin, on est comme des fous parce que c'est notre premier rendez-vous potentiel vraiment avec un voilier, donc c'est vraiment génial. Ah, tu te sens comment, Otto, là? Eh bien, écoute, stressé. Dans 20 minutes, on va voir nos possiblement skippers qui vont nous emmener directement en Amérique du Sud ou aux Antilles, on sait pas. Mais on a regardé un petit peu leur chaîne YouTube parce qu'en fait, ils ont une chaîne YouTube. Du coup, on a commencé à regarder leurs petites vidéos, on a retenu leurs prénoms pour pouvoir être efficace. Et donc là, petit stress, ouais. Oui, en fait, c'est ce qu'on prend pour, par exemple, dans les voitures ou quoi que ce soit, pour pas effrayer les gens. Moins... Un petit truc avec un petit machin de son. C'est moins impressionnant. Du coup, ouais, ça permet de... Et donc, à ce moment-là, on attend un message de Laurent et Lynn pour savoir un petit peu ce qu'ils ont envie de faire et savoir s'ils sont chauds pour nous prendre ou non, quoi. Et on reçoit assez rapidement un message. Et nous disent, ok, si vous voulez, vous pouvez venir habiter sur notre voilier. Mais genre, c'est assez radical, quoi. On n'était pas du tout prêts. Et du coup, bah, nous, directement, on répond, bah, ok, carrément. Assez rapidement, on arrive là-bas. Vraiment un peu surpris. Et ça se passe vraiment très, très bien à bord, quoi. On découvre un petit peu la vie sur place. Tout le temps un petit peu à tanguer, comme ça. Ah, ça, c'est agréable. On se laisse bercer. Et là, il y a des gens qui arrivent, donc... Et donc, petite pause. Ça, c'est compliqué hein, de parler avec des gens qui passent. Il faut une certaine aisance que je n'ai pas pour l'instant. Mais il faut s'habituer. Et donc là, on arrive avec cette famille et vraiment avec les enfants aussi. Ça se passe super bien. Ils sont super cool, Océane et Mathieu, 8 et 9 ans. Et comment ça? Bon, maintenant, on va vous présenter un petit peu l'équipage parce que c'est quand même important de vous les montrer. Bonjour, je m'appelle Lynn. Salut, ben moi, c'est Laurent. Le capitaine. Le capitaine, ouais, le capitaine. Il faut être plus sérieux quand on est capitaine, non? Ouais. Bon. Non, ben nous, on est ravis de pouvoir vous accueillir sur le bateau puis pour parler un peu de notre projet. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on a acheté le bateau, 1 an... jour pour jour. Ouais, quasiment jour pour jour qu'on est parti en voyage avec une motivation qui était... On a beaucoup voyagé quand on était déjà dans les années qui ont passé, hein, dans les 15 dernières années. Nous, on s'est rencontrés en voyage, enfin bon... Le sport et le voyage, c'était...
c'est ce qui nous a le plus formé, donc on était motivé à le faire en famille. Ouais, puis on avait envie de découvrir un peu le monde autrement, avec un peu plus proche de nos valeurs, de nos convictions, en prenant plus de temps, en étant plus proche des gens aussi. Plus proche de l'environnement, la nature. Et l'envie de le faire partager. Puis on a trouvé que c'était à la période dans laquelle on vit aujourd'hui, que c'était plutôt un bon moment pour pouvoir le faire. Et ce qu'on voulait, c'était aussi partager toutes les étapes que nous on vit. On s'est dit, si nous on le vit, il y a forcément d'autres familles aussi qui le vivent aussi, qui ont cette envie de partir en voyage en famille, que ce soit en voilier ou autre. Donc on a choisi de partager sous forme de vidéos et articles de blog au travers de notre site internet et notre chaîne YouTube. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez nous suivre sur worldtouradventures.com. Et puis c'est l'occasion d'inspirer et partager en même temps. Ouais. Ok, donc Laurent et Lille, et il y a aussi une autre personne, Léa. Vas-y, présente-toi un petit peu. Moi c'est Léa, j'ai 22 ans, donc on est les jeunes à bord. C'est ça. Et j'ai jamais eu d'expérience dans la vie marine. Et récemment, j'ai eu un ami d'enfance qui m'a proposé de venir le rejoindre en Guyane. Et ça faisait 5 ans qu'on ne s'était pas vus. Et je me suis posé la question, est-ce que j'irais le rejoindre? Combien de temps? Et je ne voulais pas vraiment prendre l'avion parce que pour des questions écologiques, même si malgré tout, pour venir ici, j'ai dû prendre l'avion, malheureusement. Mais il m'a proposé l'idée de venir en voilier, parce que lui il a fait la transatlantique, qui d'ailleurs je m'étais jamais renseignée sur ce moyen de transport. Et en regardant, j'ai vu que ça prenait à peu près un mois de traversée, donc qui nécessite de lâcher son boulot, de lâcher pas mal de choses, parce que ça va prendre du temps. Donc j'ai pris rien qu'une petite semaine pour réfléchir à ce que j'allais faire. Et comme j'avais pas grand chose qui me retenait là où j'habitais, donc à Grenoble, j'avais ni de boulot qui correspondait à mes études. J'ai fait des études dans l'éducation à l'environnement et j'ai pas trouvé de travail qui me plaisait, donc pas grand chose qui me retenait pour en France. Donc j'ai décidé de mettre des petites annonces sur les bourses aux équipiers, des sites internet qui recherchent des équipiers, où tu te présentes et tu croises les doigts pour trouver un voilier. Et jusqu'au moment où, sur mes messages Messenger, je vois un petit message de Laurent. Et en fait, ils étaient tombés sur mon annonce de recherche de voilier, où j'expliquais que je voulais m'occuper des enfants à bord. Donc je cherchais surtout une famille pour partir. Et ils me présentent un peu leur projet de famille, où ils me disent qu'ils ont des enfants, ils vont faire la transatlantique, et ils sont bien intéressés pour faire un échange en visio. Donc on s'est appelé en visio, et gros coup de cœur de mon côté en tout cas. Mais gros coup de cœur, où j'ai juste eu l'impression que c'était l'étoile qui venait, qui s'est imposée comme ça. Je me suis dit, mais c'est trop bien quoi, j'ai un voilier qui se propose. Et du coup, on s'est appelé, puis tout de suite on s'est dit, go. Donc ça veut dire qu'on est 3 voiliers stoppers sur ce bateau. On va bientôt être plus nombreux que la famille elle-même. Et puis bon, ils sont à l'intérieur. Bon, on a aussi Mathieu. Tu fais un coucou Mathieu? Ok. Et aussi Adolfo. Qui est un peu malade. Un peu malade. Donc, Il est pas là. Mais ça va mieux. Bon, ça va mieux. Bon, moi j'ai quand même une petite question. Oui. Pourquoi vous avez décidé de nous prendre à bord en fait? Et on a eu, c'est un peu comme Léa, on a reçu un message. Moi, on ne s'attendait pas, on ne cherchait pas pour d'autres équipiers, on était bien avec le nombre. Et puis finalement, je reçois un message par Insta, une présentation de deux jeunes garçons qui font le tour du monde en autostop et qui montent leur chaîne YouTube aussi. Donc je vais sur la chaîne YouTube et franchement, je trouvais que ça valait vraiment la peine de faire une première rencontre, pour se rencontrer. Ce qui, moi, m'a interpellé en premier, c'était votre projet. Donc c'était le fait que vous étiez en lien avec des écoles et que vous partagiez vos expériences, parce que je trouve que c'est toujours inspirant et c'est pas toujours facile de prendre le temps de vouloir partager avec les autres. Ça prend beaucoup de soi. Et voilà, j'étais juste par curiosité, j'ai laissé un message à Laurent, j'ai dit ah, j'ai invité deux garçons qui vont venir nous voir cet après-midi pour le goûter.
Et voilà, on a été, je pense, tous les deux séduits de suite par vos personnalités, par juste votre ouverture d'esprit, adaptabilité, humour aussi, et prise d'initiative. Parce que franchement, la prochaine étape, parce que là, vous êtes partis, on a dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? On s'attendait pas d'avoir autant de monde à bord. Et en partant, vous avez dit, ben, regarde, si vous avez besoin de l'aide sur le voilier, on peut vous aider. Et ben, nous, on avait quand même une certaine checklist de choses à faire. Puis on a dit, ben, s'ils ont le temps, ils ont l'envie, ben, ça peut être une façon de se connaître. Et franchement, je pense que ça a pris moins de 24 heures pour tout de suite voir que la chimie était très bonne entre tout le monde, avec les enfants, avec tout ça. Donc ça a vraiment pas pris longtemps pour qu'on se garde et on se dit, ben, regarde, on va aller le plus loin possible et puis on va voir jusqu'où ça va nous amener. Ouais, ça c'est ta version, moi je subis. Depuis le début, il n'en peut plus. Hein. Moi, j'ai pas eu mon mot à dire. Je suis arrivé sur le bateau, il y avait deux gars sur le bateau. On m'a dit, ben voilà, regarde, ça c'est Corentin, ça c'est Antonin. Bon, ben, ils montent avec nous. Okay. D'accord, très bien. Tu vois que l'humour, ça passe bien entre tout le monde, hein. Donc, non, mais franchement, je pense que ça a accroché naturellement. Puis, nous, c'est marrant parce qu'on avait fait... quelques jours avant, j'avais fait une vidéo sur comment bien choisir ses équipiers. C'est vrai, ouais. Et pour moi, je faisais beaucoup le parallèle avec le sport. Enfin, c'est vrai que pour nous, c'est une première aussi, hein, de partir sur une longue traversée comme ça. Mais on avait besoin, enfin, on veut trouver un esprit d'équipe, on veut trouver des complémentarités dans l'équipe. Et ça a super bien marché dès le début. Ce qui est très important pour nous, c'est le savoir-être au début. Les savoir-être, plus que les savoir-faire. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est les trottinettes, mais les savoir-être, ça s'apprend pas. C'est ta personnalité, c'est ce que tu vas porter, c'est tes valeurs, c'est tout ça. Les savoir-faire, ça s'apprend. Donc pour nous, c'était pas important que les gens sachent faire du bateau ou pas faire du bateau. Ça, on sait que vous allez l'apprendre. Ce qui était important, c'est que chacun puisse apporter une valeur ajoutée dans l'équipage, quoi. Et je pense qu'on l'a vu tout de suite et naturellement et sans forcer les choses. Et la magie un peu de tout ça, c'est qu'en plus avec Léa, ça match super bien. Et que vous êtes tous les trois de la même génération, vous avez le même âge. Donc moi, je trouve ça génial. Et ce qui nous a séduit, à la fois pour Léa, mais aussi pour vous deux, c'est le sens que vous donnez à votre projet. C'est-à-dire qu'on croise beaucoup de gens un peu qui cherchent à fuir un environnement pour essayer d'en trouver un autre, mais sans but, sans objectif précis. Et vous avez un but, vous avez du sens, donc vous voulez faire passer aussi un message autour de ça. Et je trouve que ça, c'est important parce que c'est toujours ce qui permet, dans les moments difficiles, de tenir, en fait. Sinon, la première difficulté, si on n'a pas de sens, on va abandonner son truc en disant « Ah, c'est trop compliqué, je vais passer à autre chose et je vais zapper. » Et c'est le sens qu'on donne aux choses qui fait qu'on est capable de tenir et d'aller au bout. Donc voilà, et puis pour la petite anecdote, quand Glyn m'a dit « Ah, ben, ils font le tour du monde en stop », ben moi j'ai un pote qui s'appelle Ludovic Hubler qui avait fait son tour du monde en stop. Donc Ludo, tu vois qu'on fait perdurer ta tradition, hein, si tu vois la vidéo. Mais voilà, j'ai trouvé ça aussi marrant et de dire que ben, finalement chacun devient aussi une source d'inspiration à sa façon. Exactement. Et Ludo a été une source d'inspiration pour vous, puis vous serez une source d'inspiration pour d'autres, et moi je trouve ça génial. Le projet que vous avez avec les écoles, c'est juste fabuleux, parce que c'est pas évident. Et là aussi, il y a une forme un peu, dans le monde du sport, on parle beaucoup d'héritage. Ouais. Je fais un truc, je redonne, et dans le monde du sport, l'héritage est important. Et je pense que dans votre projet, travailler avec les équipes, enfin avec les écoles, avec les enfants, c'est aussi une source un peu de l'éducation non formelle, mais qui inspire et qui donne une autre vision sur le monde, quoi. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Le garçon là, qui allait un petit peu par là. Voilà. Bah, un peu comme vous en fait, parce que vous avez tout compris. Non mais il ne faut pas prendre ça, il faut reprendre autre chose, ça c'est tout pour rouiller. Ben, c'est pour ça que j'ai dit, tu vois, en bas il y a une phrase qui balade.
Alors, ouais. Bienvenue à bord de notre bateau Inuksut. Un bateau d'à peu près une quinzaine de mètres. Alors, venez rentrer. Alors ici, on a l'espace cockpit, où c'est le poste de bord du capitaine qui nous amène naviguer. Capitaine juste mers. Ici. Allez. Bon, alors ici, on va aller sur le pont avant du bateau. Alors, c'est un peu étroit comme le passage. Mais une fois qu'on arrive en avant, on a de la place. Ici, tu as le poste pour tout régler la grande voile. On a trois voiles en avant qu'on appelle le génois, la trinquette. Et on a même le spi qui est comme un gros cerf-volant qu'on lance devant le bateau en petit vent. Exactement. Donc une belle plateforme, très confortable et aussi très sécuritaire. Et un hamac en ce moment. Et un hamac parce que là on bouge pas trop, alors on devient sédentaire. Donc quand on devient sédentaire, on se permet un petit peu de luxe. Exactement. À l'intérieur, venez voir, on a un bel espace de vie avec un grand carré, un super confortable pour toute la famille et nos invités qui viennent à bord. On peut tenir à 12. Exactement. Sans aucun souci. Quelques petites anecdotes, un peu particularités. On a un beau gros frigo, grand comme ça. Et ici, on a beaucoup de cachettes. On a même quelque chose de caché dessous les escaliers. Encore deuxième frigo ou congélateur. Ça dépend envie. C'est ça. Il y a des rangements partout derrière. Tu descends ça, t'enlèves ça. Derrière, dessous, il y a de l'espace de rangement partout. Ça, c'est hyper pratique sur un bateau. Une autre particularité du bateau en mer, c'est la cuisinière. Ici, en mer, elle bascule pour compenser pour les vagues et pour pas que tout tombe en navigation. Exactement. C'est hyper pratique. On peut faire son petit café en pleine navigation pendant qu'on est à la gîte. Fait que c'est l'espace cuisine, aussi rangement un peu partout. Franchement, des cachettes. En veux-tu? En voilà. Ici, on a l'espace, tout ce qui est électronique pour le bateau. Les panneaux qui permettent de mettre les feux de mouillage pour les lumières à l'extérieur, l'électricité, les batteries, la navigation, le VHF, des outils pour la navigation, il y en a. Et le Titanic. Et Mathieu, regarde quoi. Et à l'avant, donc on a à l'arrière, c'est vraiment l'espace de vie. Et à l'avant, c'est l'espace couchage. On a quatre cabines. On a une première cabine. Qui est la nôtre. Qui est la vôtre. Donc c'est vraiment le grand luxe, il faut le dire. On est très très bien ici. On a une petite barre qui nous sépare. Donc quand le bateau il bouge, il n'y a pas de souci. Les espaces sont bien gardés. On a même un petit, si j'arrive à le sortir, un truc qui nous permet de ne pas tomber du lit. En clips comme ça. Hop. Et ça vient. Enfin voilà, faut s'imaginer. C'est ça, protégé sur le on côté. Est dans le lit. Et quand on roule, et ben ça, on appelle ça un anti-roulis. Anti-roulis. Exactement. Hop. Une première salle de toilette, c'est pratique, ça fait même la douche. Et parce qu'ici, il y a deux salles de bain. Parce que ici, c'est ça, tu peux même te doucher. On se pose souvent la question, est-ce qu'on se douche dans le bateau? Oui. Donc, une première salle d'eau pour nos invités et pour les enfants. Ici, on a deux cabines au milieu qui est pour Océane et Mathieu. Une chambre simple et une autre chambre double. Plein de jouets. Et ensuite, si on continue vers l'avant, la cabine de maître. On a la cabine de maître qui n'est pas du tout propre. Mais c'est comme ça, on est en train de se préparer pour une grande traversée avec une deuxième salle d'eau. Donc ça nous fait chacun nos petits coins privés aussi qu'on peut avoir. Exactement. Merci en tout cas pour cette visite très qualitative. De rien du tout et puis à une prochaine fois. Au revoir. Et là, on se rend rapidement compte que finalement, on va rester à Grande Canaria. Pour des raisons techniques, pour des raisons de travaux, pour plein de raisons. Et donc avec Corentin, on s'est décidé à les aider parce que voilà, ils acceptaient de nous prendre un petit peu et ça nous fait plaisir. Et donc on s'est lancé sur quelques jours travaux. On a fait un peu le carénage, nettoyé la coque, on a fait l'anti-fouling, réparer un safran très difficile à réparer. C'était des jours de travaux assez difficiles mais assez enrichissants aussi parce qu'on a appris plein de choses sur les voiliers de manière générale. Quand même petit hic. C'est qu'ils sont prêts à nous prendre tous les deux. Ils ne peuvent pas vraiment nous prendre tous les deux parce que le radeau de sauvetage est fait pour 6 personnes.
et on serait 7 si on était tous les deux. C'est un peu compliqué. On savait qu'on allait devoir sûrement se séparer, qu'on n'allait pas forcément pouvoir être tous les deux, parce que être à deux sur un voilier, en stop comme ça, c'est que sur des grosses unités, donc c'est assez rare. On savait que ça pouvait arriver, mais en même temps, on était un petit peu déçus. Mais bon, en même temps, ils nous disent qu'ils sont chauds pour nous prendre au moins jusqu'à Tenerife quand même, pour faire des petites distances, parce que c'est un peu moins dangereux si le radeau de survie doit être utilisé. En fait, le temps passe super vite, c'est pas vraiment dérangeant, parce que ça se passe super bien. Et là, au fur et à mesure des discussions, on commence à comprendre qu'ils sont presque partants pour nous prendre tous les deux jusqu'au Cap Vert. Et donc, qu'on serait à 7, donc un de trop pour les normes de sécurité, mais qui sont quand même carrément partants. Là, on est vraiment très 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 heureux parce qu'on va passer un petit bout de temps ensemble, faire une grosse navigation ensemble, parce que pour aller au Cap Vert, c'est quand même 5 jours de navigation, parce qu'en fait, eux, ils vont pas directement aller faire la transatlantique. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est une étape au Cap Vert et ensuite aller en Martinique. Pour faire la transatlantique, il faut savoir que c'est 20 jours en moyenne des Canaries pour arriver dans les Antilles. Au départ du Cap Vert, c'est environ 15 jours. Et donc 5 jours par contre pour arriver jusqu'au Cap Vert. Et donc s'en est suivi pas mal de réflexions avec les fichiers météo, voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qui était faisable. Et donc on a décidé de rester fêter Noël à Grande Canaria, de rester tranquille ici, de faire notre ravitaillage, donc d'acheter toute la nourriture. Et donc la meilleure solution, c'était de rester ici pour tout faire, parce que voilà, il y avait une grande ville juste à côté, des supermarchés, tout ce qu'il fallait, donc on a préféré rester ici. Et après ces fêtes de Noël qui étaient vraiment géniales, c'était pour Quentin et moi la première fois qu'on était loin de notre famille pour ces fêtes. Donc c'était un peu spécial, mais on s'est senti vraiment comme à la maison. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Il s'est passé quoi? Le Père Noël, il est passé? Il est passé! Oui! T'as pas froid, toi, comme ça, là? Non, j'ai pas froid! Ah, la chambre! Sauf que ça, c'est pas un cadeau que le Père Noël a emporté! Et regarde! Waouh! Pense que c'est une maquette de Dixit! C'est mon avion magasin de jouets! Waouh! C'est mon avion magasin de jouets! Wow. Merci Père Noël. Oui, j'ai aimé. Tu pourras jouer avec moi, Antonin? Avec plaisir, avec plaisir. Et mon piano. Wow. C'est celui qu'on a vu en magasin. Voilà. Hein. On va pouvoir nous faire de belles musiques. Ah, yes. J'ai aimé la gueule. C'est à moi, c'est un avion. Wow. Allez, go! Ok, qu'il y a attends. Partageons chacun. Et c'est donc c'est seulement à ce moment-là qu'on a décidé d'aller à Tenerife pour changer un petit peu les idées, faire une première navigation, nous tester un petit peu avant de poursuivre pour aller au Cap Vert. Parce qu'en fait, il n'y avait pas assez de vent à ce moment-là pour aller au Cap Vert. Donc la seule chose qu'on avait à faire, c'était soit attendre à Grande Canaria ou aller à Tenerife un petit peu pour s'amuser un peu, quoi. On devait faire un test pour pouvoir partir au Cap Vert. Et le test s'est avéré positif pour tout le monde. Donc là on sait pas comment ça va se passer. Attends, j'ai pas regardé. Mais...